Salut, maman. Je veux bien, oui. Je suis juste passé pour brûler deux, trois bouquins. C'est quoi cette manie de tout brûler? On se croirait dans un four ici. Il ne faut pas garder les mêmes livres toute sa vie. On a l'âge de sa bibliothèque. Ouais, mais quand même. Ça fait de la place pour les nouveaux. D'ailleurs, ton nouveau roman, ça avance? Pas vraiment, non. Zoé m'a foutu à la porte. Bah alors? Oh, les femmes. Oh. Bah raconte, qu'est-ce que t'as encore inventé? Trois fois rien. Je l'ai un peu secoué, on va dire. Yves Saint Laurent l'a réalisé pour toi. Le vrai? Le seul. Et le truc que tu tires dans ton dos? Oh, c'est ma dernière déclaration. Alexandre. Non mais t'inquiète pas. Je compte plus te demander en mariage, au contraire. Je voulais juste que tu vois la robe que je cache depuis des années, au cas où tu dirais oui. Avant que je me débarrasse de tout ça. Hein? Ouais, j'ai changé d'avis. Mais t'es complètement cinglé ou quoi? Bah pourquoi? Tu veux pas te marier avec moi, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais t'es aussi dingue que ta mère là, avec ses cheveux de libre. Détruisez tout! Ça c'est la meilleure. C'est toi qu'on veut pas de tout ça, Zoé. Moi je m'en débarrasse, c'est tout. Je comprends pas que tant que je te dis non et que tu persistes à me demander en mariage, je me sens désirée. On va se marier et après quoi? Hein? Fini la conquête de Zoé. On l'a dans la poche, plus besoin d'être romantique. T'inquiète plus, tout est sous contrôle. Tu veux que je te dise? T'es un tyran, Alexandre. Après, elle est revenue avec mes affaires et elle les a achetées par la fenêtre. Si t'arrêtais de tout compliquer, tu te contentais de vivre. Vivre, j'ai dit. Mon éditeur me fout la pression. Mais comment veux-tu que je lui ponde un roman dans cet état-là, moi? T'inquiète pas, va. C'est toujours dans les moments de détresse qu'on est le plus productif. Bon.
Laurent, viens voir. Henri Miller a dit que le meilleur moyen pour oublier une femme est d'en faire une œuvre d'art. Mais je veux pas l'oublier, je veux juste la récupérer. Alors, séduis-la éternellement. Tiens, ne le brûle pas celui-là.